Coucou, ici Fred Laolès et je suis en compagnie de Jason et nous allons avoir notre gardien des Brahmines. Oui, j'ai lancé le règle sauvage comme ça. Bah ouais, allez. Parce que nous allons avoir notre gardien des Brahmines. Alors ça fait déjà un petit moment hein, qu'on a lancé la pomme d'or. Hein. Notre premier village. Oh, il est là! Il est là! Il est beau. Alors, dans mon pack de textures, hein, il est habillé en bleu et ben voilà, il a un skin Falloutien, mais c'est un ce qu'on appelle communément un idiot. Hein, c'est un bonhomme vert, D'où n'est-ce pas? le nom que je lui ai donné de De Minus. Minus, voilà, c'est Minus et c'est le gardien des Brahmines. Alors, je vais voir pour retoucher le pack de textures. Parce que maintenant qu'on a plus Fonzie pour nous aider à le faire, je vais essayer de le faire et demander conseil à notre grand barbu suprême, MLDEG. Et je vais voir pour que les vaches ressemblent plus à des brahmines, parce qu'avec leur couleur un peu violette, elles ressemblent aux vaches Milka. Hein. On dirait les vaches Milka. Donc, Après, on n'a rien contre Mika, hein, on n'a rien c'est contre à se Milka, non, dire. non, mais dans Fallout, il n'y avait Moi-même, j'en pas. consomme beaucoup. Hein. Oui, mais moi aussi Mais dans le jeu. au boulot, j'arrête pas d'amener du milk aussi. Mais dans le jeu, voilà, il faut des brahmines et je vais voir pour que ça ressemble à des brahmines. Et puis voilà, nous avons les moutons, nous avons les poules. Et puis quand on aura trouvé Cortex, Et quand on nous aura trouvé pourrons dominer Cortex, le voilà, monde. nous pourrons dominer le monde en gardant les brahmines. En tout cas, voilà. En tout cas, voilà, Colis. Donc le chemin a été continué jusqu'à la maison par notre ami Jason. Bah ouais, je m'ennuyais à force de mourir en voulant faire du stuff. Voilà. J'ai arrêté, j'ai fait du chemin. Parce qu'on est le 28 et ce soir, on va tourner l'event que vous aurez le premier. Tout simplement. Et donc, on fait un peu de stuff. Et ici, il va être la maison de Jay. Voilà. Oui. Bon, pour l'instant, c'est Pour le plutôt moment, il y a des des bouts de bûches. bois Il y a et des des... cailloux. Mais tout chantier démarre comme ça, hein. Des Voilà, échafaudages, des tas de caillasses. donc on attend Marc Emmanuel avec tous ensemble pour monter C'est ça, ouais. la maison. Non, je pense que je devrais m'en tirer sans qu'on fasse appel au maçon du cœur. Donc, bah, petit épisode sauvage, tiens, qu'est-ce qu'on va faire dans ce petit épisode sauvage? J'ai bien une petite idée, mais ça demande d'aller dans le bio, mais ça va être peut-être long pour vous. Quoique, attendez, je vais vous faire voir l'évolution du hub. Petite évolution en soi, hein, quand même. Mais évolution quand même. Hop, 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 hop. Oui, Fred, il y a des chemins et tu sautes de partout. Oui, je saute de partout. J'aime bien sauter de partout. En général, les femmes sont contentes quand on saute de. J'allais dire que tu fais ce que tu veux de ton corps, mais tu m'as devancé. Hop, 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 hop. Donc, et nous passons donc là dans le Hall of Fame. Si on va tout au bout du Hall of Fame, je ne sais pas si je vous l'avais filmé le Hall of Fame, je pense pas. Il est superbe. Ah, j'entends des squelettes. Enfin, pour moi, c'est des raiders, parce qu'il y a le son des raiders. Derrière, ça doit être. Il doit y avoir des grottes. Il y a des grottes et puis je sais pas si c'est pas l'entrée de mine qu'il y a derrière la maison de Bazon. Ah, peut-être, ouais, c'est possible. J'aime bien ce qu'ils ont fait en dessous. Ouais. Donc là en dessous, nous voyons tout en bas. Ouais, c'est super, hein, ce qu'ils ont fait.
Donc moi j'entends les raiders hein, qui crient on y va, il y a quelqu'un qui saigne. Et nous prenons le portail. Chacun le tien. Chacun le sien, ouais. Et voilà le hub qui a été complètement dallé. Donc avec le pack de textures, ça ressemble aux dalles de métal qu'on trouve dans les abris, hein. Dans les abris, les usines et autres. Et là, il y a des délimitations de 7 avec les maisons de chacun. Donc là, le The Clan. Là, nous avons les clans pins. Là, le biome Noël. Oh, il y aura un biome Noël là. Avec le clan des barbus, les trois salopards, les clans pins, Sableland, Pacadice. Il y a tout. Et nous, on est ici, hein, si je ne m'abuse. Non? Ça, c'est pas nous, ça. Non, c'est les trois salauds. Par. On est là. Oui, parce que là-bas où il y a les clans des barbus, les trois salopards et autres, c'est l'ancien tunnel et on aura chacun notre porte. Hein. Chaque clan aura sa propre porte. Donc là, il y a les raisonnables. Et là, nous, on est là, la Légion d'Atomes. Donc ce couloir, on va le faire ressembler au couloir du métro de Fallout 3, tout simplement. Avec une partie paquet d'ice qu'on pourra prendre en courant ou en bateau, et une partie rail qu'on pourra prendre avec les petits wagonnets bien gentillets. Et Par contre, comme là, vous. trop faudra qu'on fasse en arche le dessus, en fait. Ouais, qu'on arche un peu le dessus, ouais. Et hop, donc là, les ouvertures, hein, c'est que ça menait dans d'anciens couloirs. Bah ça, Quand on a des. c'est l'ancien couloir déraisonnable, mais Ouais. qui est encore utilisé pour l'instant, tant que tout n'est pas creusé. Bah ouais. Et celui-là, je sais pas ce que c'est par contre. Ça devait être un couloir qui menait dans le Nether pour miner. Et nous arrivons donc là où nous tournons à droite. Tchoum, tchoum, tchoum. À gauche, pardon. C'est mon autre droite. La gauche, c'est mon autre droite. Aussi. Donc vous remarquerez la magnifique texture avec pareil le texture pack qui fait ressembler aux blocs un peu des blocs de sang ou les blocs. J'aime bien ça. Tu serais pas un peu psychopathe, Fred? Non. Hop, on En mange un. même temps, la Netherrack de base, c'est des cailloux avec du sang dessus, quoi. Exactement, ouais. Sauf que c'est moche. Sauf que c'est moche, ouais. Ouais. Donc nous allons tout droit, nous allons arriver à notre portail. Et notre portail, d'ailleurs, nous ferons bah, la station de métro, hein. Alors par Tout contre, comme c'est simplement. un cube plus haut, j'ai récupéré toute la glace que j'avais Ouais. mis avant. Et j'ai préparé des petits bateaux aussi Ouais. pour plus tard. Et donc on fera un escalier en sortant du truc et on montera plus haut en sortant du portail. Ouais, soit ça, ou alors peut-être je ragrandirai le portail et peut-être le mettre un peu plus haut. Remontant, ouais, remonter le portail d'un peut-être. Ouais, faudra voir. Alors, remarque, si on veut faire un peu métro. Ouais. Faire des quais, il faudrait peut-être qu'on monte un peu plus même. Un peu plus, ouais, pour pouvoir le redescendre. Donc, bah, je vais vous faire un petit peu mégatonne. Donc, j'ai pas continué la descente. Parce que, bah, forcément, on essaye de se stuffer. Là, il y a Firelli, le chien de Tigre, qui est ici. Oula, j'ai un coup de lag. J'ai quelques coups de lag sur Ragnal en ce moment. Ça m'arrive aussi de temps en temps. Ah mince, Ouais. j'ai oublié de prendre. J'en ai pas ramassé beaucoup, mais j'ai oublié de prendre la cobble. Donc là, ben, au milieu de. Nous sommes dans Mégaton. Ah oui, je vais vous faire voir, tenez. Je me demandais quelle matière j'allais utiliser pour faire l'avion. J'ai pensé au béton gris clair. Enfin, c'est même toi qui m'avais dit, Jay, le béton gris Je clair. crois qu'on avait parlé tous les deux, ouais. Ouais.
Et donc j'ai essayé, j'ai fait un petit peu de béton et regarde ce que ça donnerait le béton gris clair pour faire l'avion qui est au-dessus des cratères de Riverside. Ça fait pas mal. Ouais. Ouais, pas mal, ouais. Donc voilà, Pas mal. je pense que j'utiliserai le béton gris clair. Voir ce que ça donne avec peut-être un peu de béton blanc ou un peu de fer de temps en temps, voire faire un mix pour faire un avion un peu vieux, un peu rouillé, Ouais, quoi. bah ouais. Moi, ouais, puis bon, il est un peu déglingué, quoi. Ouais, Je voilà, ouais. de base. Donc, on regardera ça. On va aller prendre des blocs. On va se faire un truc fun, tiens. On va Moi, se. ma prochaine mission, Ouais. après, on aura un peu plus le temps, c'est d'essayer de trouver le moyen de nous faire un beacon Ouais. et miner de la cobble. Ouais, Vu tout ce qu'il y a à boucher dans l'eau, ah oui, il y a pas mal de il trucs à va en boucher là. falloir. On va se Il faire va un en truc falloir. fun, les amis. Vous allez voir ça. Donc là, on a les. Il nous reste deux potions de faiblesse. Hop là, on va se prendre des blocs. On va se prendre des blocs de Netherrack, hein, comme ça. Une canne à pêche pas enchantée. Est-ce qu'on en a dans les coffres? Je sais pas. Sinon, j'en ferai une vite fait. Une canne à pêche pas enchantée. Oui, j'ai mis de l'ordre dans les coffres. C'est pour ça qu'on a des coffres vides. Parce que vu qu'on a tombé la cobble. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus, quoi. Il n'y en a plus, ouais. Il va falloir aller en reminer. Faire un cratère, c'est assez. C'est assez hard. C'est-à-dire que non seulement on crée un cratère, donc des espèces de montagnes en forme de volcan, mais en plus on bouche l'océan. Oui, en plus, ouais. Comme on est doublement fou dans nos têtes. Donc, je vais prendre ce qu'il me faut là. Il me faut juste deux fils. On se fera une canne à pêche là-bas. Il me faut une selle. Il me faut une selle aussi. Je sais qu'on en a des selles là-dedans. J'en avais répertorié. Ah, voilà. Ici, il y en a une ici. Et on va se trouver une canne à pêche, les amis, parce qu'on m'a lancé un défi, ramener des cochons, tout simplement, hein, ou des râteaux, puisque nous, avec le pack de textures, les cochons ressemblent aux râteaux et ont le bruit des râteaux. Hein, donc ramener des cochons sur une selle avec la fameuse carotte à pêche. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle, moi, la canne à pêche carotte. Ou la carapêche. Non, ça fait Pokémon, ça, Ouais, carapêche. ce que j'allais dire. Carapêche! Donc, je sais qu'il y en a Ah, en il est pas face. J'ai pris des blocs dégueulasse. pour faire des ponts de fortune. Je sais qu'il y en a en face. Je les mettrai après les cochons. Je les laisserai vers le moulin et on leur fera des enclos. Je sais que j'ai des sticks ici. Il en faut, hop, 3. Je vais prendre ce stick tout seul là. Hop! Donc comme vous voyez, j'ai fait aussi les shulkers avec des fruits dedans. Hein. C'est toujours avec le pack de texture. Donc c'est le bleu, le rose, le vert clair et l'orange où on peut avoir des fruits. Et je vais essayer de faire d'autres shulkers. Hein. Je vais voir hein, de toute façon. Pour améliorer le pack de texture. Hop. Comment ça se fait une canne à pêche carotte? Je ne sais plus. Bah, une canne à pêche et une carotte, je crois. Non. Non? Non. Ah si, mais en biais. Oh putain. Ah. Oh putain, ils sont vachement à cheval. D'habitude, tu sais, tu mets les trucs n'importe comment et ça marche. Là, non, tu le mettras en biais. Si tu le mets pas en biais, ça marchera pas. Forcément, il fait nuit. Et dans le biome où on va aller, forcément, hein, il y a des mobs. Trouvera peut-être Cortex comme ça. Oui, mais là on est un peu loin pour le. Oh, quoi qu'on va voir. Donc c'est parti. C'est parti, c'est parti. On va aller à la chasse au râteau. Hein.
On va prendre quand même le bouclier parce qu'on est la nuit. Et l'épée. Hop là. Je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais j'ai dégagé des plantations ici. On a deux moutons là. C'est moi qui les ai ramenés du Oh, spawn. c'est cool ça. Faudra les nourrir. Moi, j'ai amené les cactus donc, qui étaient là-bas parce qu'il me fallait de la place pour Oui, faire la descente. mais quand tu as grandi, ouais, le cratère. Ouais. Là, j'ai vu que tu les avais bougés. Les betteraves. Et j'ai amené aussi les citrouilles et les pastèques. Donc voilà. Alors, pour aller chercher nos amis les cochons râteaux. Je crois qu'il y a déjà une des passerelles ici qu'on avait fait avec Bideo. Attends, il faut qu'on passe ici. Comme ça nous fera un petit épisode assez fun. Non, on n'a plus la passerelle ici. Oh. Ça nous fera un petit épisode assez fun. Ils Et sont puis où? ça nous sortira de Mégaton. Ils sont en face là où il y a les bouleaux. Là où il y a les boulots? Ouais. D'accord. Donc bah, on va se faire une petite passerelle. Donc j'ai pris pas mal de. J'espère que j'en aurai assez quand même. Bon, sinon j'ai. Hop, hop. J'espère que j'en aurai Non, on peut assez. faire ça. Sinon, avec le bateau, on peut les amener en bateau, non? Ben ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. Si tu as du bois pour Tiens, faire les j'ai bateaux. des jolis bateaux rouges. Oh. C'est en bois de quoi que tu les as fait là? En acacia. Oh, parce que moi, alors avec le pack de texture, c'est des bateaux en fer un peu rouillé. Ça fait sympa. D'accord. Ah, j'en vois un tout de suite là. Donc, je vais chevaucher donc comme on m'a Je ne sais pas demandé savoir. dans comme on me l'a expressément demandé. Là il y a des torches. Il faudra que j'y visite un petit peu plus profondément cette Ah bah grotte. il reste une Hop, passerelle. hop. Ouais, il y a une passerelle D'accord. qui allait chez Bideo, ça. C'est quand on lui a D'accord. amené les chevaux squelettes. Hop là, voilà. Toi, tu es scellé, tu viens. Mais viens, mais t'enfuis pas. Mais viens, voilà, tu es mon ami. Tu es mon ami. Bien. Merde, il y a quelqu'un qui saigne, il m'a dit le monsieur. Aïe. Voilà, il est dans le bateau. Il tire d'où? Il tire d'où? Ah, dans le bateau. Il était dans le bateau. Oui, mais il va tuer le cochon. Et il l'a tué déjà. Saloperie, il a tué mon cochon. Il tirait à travers le cochon. Ouais. Il a tué mon cochon. Viens là, t'es mon nouveau copain. Hop, allez, monte. Voilà. Donc là. Maintenant, normalement, si je monte moi-même dans le bateau, je vais pas monter sur le cochon, hein, non. Voilà, je monte dans le bateau et merde, je suis descendu du bateau. Oula. Et nous allons retourner Non. à la maison. Oh putain! Attention, creeper. Ouais. Va vite. Il a sauté dans l'eau, non? Non, il n'a pas sauté. Ouf. Enfin, il est parti dans l'eau, mais il n'a pas explosé en tout cas, quoi. Je vais essayer de contourner un peu, d'aller le plus loin possible. Voilà, Ah, on mais pousse va. toi le cochon, je veux monter dans le bateau aussi, moi. Donc Ah! les bruits bizarres que vous entendez, Non, mon cochon. c'est bien sûr le pack de textures. Hein. Les creepers aimeront Voilà, exploser mon parfait. cochon. Oh non, pauvre petit chonchon. Le bateau était dans le mauvais sens, Hop, du hop. coup. Temps de faire demi-tour. Voilà. Alors. On va l'amener près du moulin, comme ça il partira pas très très loin. Ou on va l'amener Il n'y a plus. on va pas le mettre avec les Non, non.
Pas de bébé, t'es gentil. Là, voilà. Parfait. J'en ai un, je l'ai amené près du moulin. Il faudrait peut-être que je lui enlève sa selle. Comment on fait pour enlever la selle d'un cochon, en fait? Tu peux pas l'enlever. Tu peux pas l'enlever? Non. Bon, mais tant Tu pis. le récupères quand Tu seras le cochon scellé. il meurt. Mais ça t'empêchera pas de procréer, hein, t'inquiète pas. Ça sera peut-être un peu plus lourd avec quelque chose sur le dos, mais bon. Tu es fort. Tu es fort. Ah, par contre, là, j'ai plus de sel, par contre. Ça risque d'être problématique. Est-ce Je que je vais vais... trouver un copain, mais. Ah, mais fous-moi la paix. J'espère qu'il n'y avait pas que trois cochons sur le truc, parce que sinon, on est baisé. Hein. Un tué par le Écoute, squelette, un tué par le creeper. oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, J'espère qu'il n'y en a c'est pas que avec trois. trois cochons. Bah, je suis allé sur l'île d'à Sinon... côté, comme il y avait une passerelle. Ouais. Donc, par contre, il y a du mob. Hop là, Ça a l'air sûr. je vais essayer de prendre une autre selle, les amis. Écoutez, c'est épisode fun, épisode papillonnage, épisode tranquillou. Ça nous sort un peu de mégatonne. Hop. Ah, j'en ai. Donc sur mon armure, j'ai agilité aquatique et respiration. Hein, c'est pour ça que je marche aussi vite et que je J'en ai. perds moins mes bubules. C'est bon, et j'ai de la cochonaille. Ah, hop là. Non, mais je veux pas le zombie avec, hein. C'est mignon, mais. Qu'est-ce que je fais alors? Je construis un enclos ou je prends une selle? Bon, tu peux construire l'enclos, je vais arriver. Enfin, Ok, si j'ai pas un bon. creeper qui me tombe dessus encore, Je je repars vais alors, les mettre amis, le puisque cochon dans le bateau. le bois dont je vais me servir, c'est le bois de sapin ou de chêne qu'on a. Voilà, c'est bon. Puisque ça, on peut le farmer avec les pousses et la poudre d'os, hein, pour faire mégatonne, c'est pas un souci. Donc, nous allons faire un petit enclos, hein, parce que ça sera un enclos pour le moment de fortune pour enfermer nos petits amis. Ensuite, on agrandira tout ça. Hop, 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 hop. Voilà, nous montons tranquillement. Hop là. Attends. Chêne, j'ai pas trop farmé. Sapin. On peut Tu les as faire. mis où? Ah, ici, Je parce l'ai que juste j'ai mis vers le moulin pour le moment. On va faire un petit temps. Je vais faire un petit enclos. Hop là. Alors, on va essayer de pas taper le cochon, hein. Ce Oui. serait mieux. Ah bah oui, on les a pas ramenés pour se faire taper, les pauvres. Pauvre petit cochon. Voilà. Hop, petit portillon. Allez le cochon. Alors, je Tac, te tac, montre ma carotte. tac. Voilà, ici. Bon, ça fait très. Voilà. Pendant que Jay montre sa carotte au cochon. C'est très tendancieux tout ça. Ils me font peur, Fred. Tandis que ce soir, nous allons mourir allègrement pour vous divertir. Hein. Oui. Ils me font peur, ils me regardent avec leurs Alors grands attends, yeux. la porte, elle est où des moutons? Il n'y a pas de porte, j'avais pas de porte. Bon, moi j'en ai fait une porte pour les cochons. J'avais pas de porte, du Hop, coup. je vais hop, éclater celle-là. Viens ici. Viens Tang. ici. Alors attends, une, deux, une, deux. Voilà. Hop là, voilà. Et voilà, On n'a qu'à les maintenant on faire va être rentrer et tranquille. je mettrai la porte après. Venez là. Venez ici. Venez chercher Alors, les bonnes carottes. pour faire rentrer lui, elle est où la canne à pêche? Non, mais ça va, il suit la carotte aussi. Ah, non, t'es passé dedans. Du coup, il me voit plus. Merde. Tac. Allez, viens Vois là, si tu toi. peux. Allez. Comment on fait déjà pour tendre la Ah carotte? bah Je me tu me souviens suis pas. toi. Et Tac. voilà. Et mes conneries de cochon, Viens cochon et venez là. Et la porte, elle a despawn? Non, tu l'as dans ta main. Ah ben moi, je la vois pas. Hein. Je la vois encore dans ta main.
Là, maintenant, je la vois. Je la voyais pas après, tout à l'heure. Ouais, des fois ça bug. Ah, il est rentré de lui-même, lui. Cochon, allez. Mais Hop, qu'est-ce qu'ils défouiller. sont cons, ces cochons? Et comme par hasard, c'est celui qui a Viens pas la ici. selle qui a... Viens ici. Voilà. Tac! Voilà. Voilà! Oui! Oui, trois cochons dans l'enclos, oui. non, deux, pardon. On va remettre un peu de lumière. Voilà. Voilà. Oh, Il y en a vraiment trois cette fois. ils s'aiment comme des enfants. Voilà. Pour ceux qui connaissent cette musique, bien évidemment. Nous sommes à 25 minutes d'épisode. On va pas faire aussi court quand même. Ah, mince, je me suis Oui, surpris. fais gaffe, il a une selle celui-là. Voulez des carottes? Allez, tenez. Donc du coup, j'ai pris mes blocs pour rien, hein. Hop, hop, hop. On va faire le tour par ici. Toink, 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 toink. Ah, un bloc volant. Hop. Peut-être être un bloc invisible lors du terraforming. Possible. Hop, hop, hop. C'est long, n'empêche, de refermer tout ce cratère. Ouais. Et puis boucher toute la flotte en dessous là. Ouais. Mais après, ça va être beau. Ça va être beau, Fais les des potions de respiration du coup. amis. Ouais, bah oui. Parce que bon, sinon c'était assez casse-pied. Enfin, après, sinon, il y a toujours la technique de la torche, hein, mais Ouais, bah au moins pendant que ouais. je suis avec les potions, pas obligé de m'embêter à faire des colonnes de deux pour pouvoir respirer. Regardez toutes les têtes qu'on a. On a une tête de Z Laolès encore. On a Bibi Bideo qui est le compte spec de Bideo. On a un autre Bibi Bideo. Il se stack pas, lui? Si. On a Mel Patate. On a une tête de dragon. On a Not Croc. The Chaton. Bon, ça, c'est Steve et Alex. On a Boudin des Bois. Skeleton Horse, qui est bizarre. On a Zombie Smithhead. Je sais plus ce que c'est, Smithhead, par contre. On a la tête de Rico. Attends, où est-ce qu'elle est? Je sais plus ce que c'est, Smithhead. Ah, J'ai le Zombie Librarian aussi. Voilà. c'est pas comme les ouvriers, tu sais, genre forgerons, Ouais, je crois, ouais. les armures smith. Attends. Je crois que c'est les armures, ouais. Les armures. Parce que je sais qu'il y a les forgerons d'outils, d'armures. Ouais. Donc c'est peut-être une tête de zombie forgeron mais sans métier défini quoi. Ah, peut-être, ouais. Hop là. En tout cas, mes amis, pour finir cet épisode, nous allons mettre un petit disque, parce qu'on a bien sûr aussi les musiques qui vont avec le thème. Là, c'est une musique un peu angoissante. Tom. Qui irait bien quand on rencontre au début, si. La guerre ne meurt jamais. Ouais. Il est sorti de son abri. Tel le loup solitaire, il a trouvé un chien et parti droit devant lui avec son nouveau compagnon. Mais qu'est-ce qui peut l'attendre dans les terres désolées? C'est à vous de faire son histoire.
En tout cas, voilà, c'est sur cette petite musique que nous allons nous quitter. Un court épisode assez fun, hein, avec une dézombification et un amenage de cochon qui s'est pas passé sans perte. En tout cas, sans perte de cochon, mais nous, Sans... on a survécu pour une fois. Nous, on a survécu, ouais. Ouais, c'est que les cochons qui ont souffert pour une fois. En tout cas, si cet épisode vous a plu, laissez-nous un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça nous fera toujours plaisir et nous interagirons toujours avec délices, volupté, dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne nous reste plus qu'à nous dire bisous, filles, amitié aux gars, et à très très bientôt. Bye bye. Bye.